Salut à tous, c'est Maxime. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais partager avec vous mes réflexions autour de comment improviser sur une grille que j'ai construite moi-même et sur laquelle je m'amuse un peu. Et je trouvais ça intéressant de voir quelles étaient les stratégies d'improvisation qu'on pouvait adopter sur ce type de grille, une type de grille qui est plutôt dans un style jazz-rock, jazz-fusion. Donc c'est ce que vous venez d'entendre juste en introduction. On va voir un petit peu quelle est cette grille déjà, quels sont les accords, comment c'est pensé, et ensuite comment à partir de cette grille on peut improviser avec des moyens, vous allez voir, assez simples. Alors, mais avant de commencer, vous pouvez aller faire un tour sur le tout nouveau site de Modern Guitar Online. Voilà, je lui ai refait une petite beauté. J'ai publié ma première formation sur les triades ouvertes, donc je vous encourage vivement à aller regarder ça. Si vous voulez vous tenir au courant des actualités de la chaîne, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez également vous inscrire aux ressources gratuites qu'il y a sur le site. Donc les ressources gratuites, c'est toutes les ressources que je partage avec vous dans ces vidéos. Donc là par exemple, typiquement, si vous voulez accéder au backing track que vous venez d'écouter et pour vous amuser de votre côté, vous allez sur le site moderneguitaronline.com et vous vous inscrivez aux ressources gratuites, et là vous aurez accès à toutes les ressources, y compris donc à ce backing track. Voilà, donc maintenant que le côté pub est mis de côté, on va pouvoir s'intéresser à cette grille. Alors cette grille, je vous l'affiche ici à l'écran. Voilà, alors c'est une grille qui comporte 8 mesures avec 4 accords, et à chaque fois les accords durent 2 mesures. C'est une grille, je m'amusais un jour avec certains accords, et j'ai construit cette grille. C'est toujours sympa de construire une grille comme ça pour essayer de s'entraîner à improviser sur des changements d'accords qui sont peut-être un peu complexes et pas forcément tout de suite évident, parce qu'on va voir que c'est une grille donc de jazz modal dans laquelle, en fait, on n'a pas une seule tonalité ou un seul mode. En fait, chaque accord va déterminer un mode spécifique. Alors ça, on en avait déjà parlé dans plusieurs vidéos que j'avais faites consacrées justement aux grilles de jazz modal, grilles de jazz fusion. Donc je vous renvoie à ces vidéos si vous ne les avez pas vues. Je mettrai tout ça en fiche. Donc juste, pour rappel, typiquement, quand on construit une grille de ce type, on a plusieurs options. Soit l'option d'avoir tous les accords de la grille qui sont issus du même mode, de la même tonalité. Soit on a l'option d'avoir des accords qui ne sont reliés entre eux par aucun mode, si ce n'est par peut-être des notes communes ou des intervalles communs, des transpositions suivant un intervalle fixe. Ici, c'est plutôt la première solution, dans le sens où tous ces accords vont être plutôt guidés par des notes communes et qui vont induire, enfin en tout cas ces accords vont induire à chaque fois des modes différents. Donc on voit ça ensemble, l'exploration de cette grille. On commence sur un accord, une triade de si majeur, basse de mi. Ici, si majeur, basse de mi. Ce qui est intéressant, c'est que si vous connaissez vos positions de triade ou vos positions de triades ouvertes, vous pouvez aller faire un tour sur le site Modern Guitar Online. Si vous connaissez vos positions de triade, c'est intéressant parce que vous pouvez jouer cet accord de différentes manières. Surtout que, vu qu'on a la basse en mi, on peut prendre l'accord de mi grave et faire plein de positions de triade qu'on connaît. Celle-ci, par exemple.
voilà, donc ça c'est intéressant. La nature de cet accord. Qu'est-ce qu'on a comme note ici qui compose cet accord? On a donc la triade de Si majeur. Donc on a les notes Si, Ré dièse et Fa dièse. Et on a un Mi. Donc Mi, Si, Ré dièse, Fa dièse. Si on considère le Mi comme fondamental, comme tonique, vous voyez que on n'a pas de tierce. Donc c'est a priori un accord sans tierce. Cependant, quand on joue cet accord, on a plutôt tendance à favoriser l'emploi d'une tierce majeure. Donc ici, dans ce cas-là, vu que la fondamentale est sur Mi, on va plutôt avoir tendance à entendre un sol dièse. Donc si on devait rajouter une tierce, on rajouterait plutôt un sol dièse, une tierce majeure. Alors, dans l'absolu, vu qu'on n'a pas d'indication de tierce, on pourrait se dire, bah, on peut mettre la tierce majeure, tierce mineure, finalement, on peut s'amuser comme ça avec. Oui, dans une certaine mesure. Après, je ne sais pas par quel phénomène psychoacoustique cela dépend, mais on a plutôt tendance à entendre une tierce majeure et à mettre une tierce majeure sur ce type d'accord. Voilà, si vous avez la réponse, vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez une piste. Voilà, en tout cas, c'est souvent comme ça que c'est utilisé. Si vous connaissez la composition qui s'intitule Fred d'Alan Holdsworth, qu'il a joué avec Tony Williams, c'est exactement le même accord de départ. Ça fait ça le début. Donc on a ça, cette triade de Si, basse de Mi, et après qui va sur une triade de Fa dièse majeure. Donc c'est, voilà, ce que je voulais, c'était cette sonorité. Et on va voir après comment on va pouvoir improviser dessus. Pour l'instant, je fais le tour de la grille. Ensuite, on a une triade de La majeur, basse de Sol. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme note? On a le Sol, La, Do dièse et Mi. Cet accord, on peut le considérer de différentes manières. Hein, si on devait le jouer dans un contexte tonal, on aurait plutôt tendance à le penser comme un renversement de l'accord de La7. Hein, parce que si je prends toutes les notes, La, Do dièse, Mi et Sol, ça me donne un accord de septième de dominante sur La. Et ici, tel que je le joue, eh bien, on a cet accord de La7 renversé sur sa septième mineure. Hein. On a la triade de La et la septième mineure à la basse. Sauf que dans ce contexte-là, je ne vais pas le penser comme ça. Je vais vraiment le penser avec le Sol comme fondamental. Et ici, eh bien, on a le même schéma finalement que l'accord précédent. Si je considère le Sol comme fondamental, eh bien j'ai pas de tierce non plus, j'ai pas de Si, de Si ou de Si bémol dans cet accord. Bon, là encore une fois, on va plutôt tendance à entendre une tierce majeure sur cet accord. Et finalement cet accord, en considérant l'ajout de cette tierce majeure, ça nous donne un accord lydien. Parce qu'on a le Do dièse qui est la carte augmentée. Voilà. Donc ça, c'est un accord qui se retrouve beaucoup dans les grilles, dans le style jazz rock, jazz fusion. Vous entendez ça beaucoup chez Wayne Shorter, par exemple. Il l'utilise beaucoup dans le morceau Anna Maria, qui est sur l'album Native Dancer. Très bel album. Très belle, très beau, très belle composition. L'une de mes compositions favorites de Wayne Shorter. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage vivement à aller l'écouter. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc La majeur, basse de Sol. Ensuite, ce que j'ai pas dit, c'est que je vous avais dit précédemment, au niveau de la construction, on va essayer de trouver des notes communes entre deux accords qui se succèdent. Ici, entre le premier accord, Si basse de Mi et le La majeur basse de Sol,
Là, vous voyez qu'on a la note Mi qui est commune aux deux accords. Donc ça, c'est vraiment un truc à garder. J'en avais parlé dans les précédentes vidéos. Pour voilà, construire ce genre de grille, vous essayez de trouver des accords qui ont une ou plusieurs notes communes. Voilà, comme ça, ça crée un lien et ça crée une cohérence. Troisième accord, on a un accord que j'aime, que j'affectionne particulièrement. C'est l'accord ici mineur majeur 7, donc sur sol. On peut même lui rajouter une neuvième, ça passe très bien. Neuvième majeur. Donc sol mineur majeur 7. C'est quoi? C'est un accord, une triade mineure, à laquelle on rajoute une septième majeure. Donc j'ai les notes sol, si bémol, ré, et fa dièse. Pareil, encore une fois, la note commune qu'on va avoir avec l'accord précédent, eh bien, cette note va se situer à la basse, c'est le sol. Parce que je garde la même basse, la même fondamentale. Je passe de la majeure basse de sol à sol mineur majeur 7. Voilà. Un enchaînement que j'aime beaucoup, ça sonne bien. Et ensuite, dernier accord, plus simple, on peut pas, c'est un accord de mi majeur. Parce que des fois, on n'est pas obligé de faire compliqué. Hein. C'est pas parce qu'on est dans le style jazz fusion que automatiquement on doit faire des choses très complexes. On peut aussi faire des choses simples. Et en l'occurrence, là, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis un accord de mi majeur. Voilà. Alors, si on voulait rajouter une extension, on pourrait rajouter une neuvième majeure. On pourrait faire un mi ad 9. Qui ferait aussi le lien avec l'accord précédent, puisqu'on a un accord de sol mineur majeur 7. La septième majeure de cet accord, c'est un fa dièse. Et donc si je garde le fa dièse pour l'accord de mi qui suit, bien j'ai un accord de mi ad 9. Voilà pour l'exploration de la grille. Maintenant, on va voir comment improviser facilement sur cette grille. Alors, pour improviser facilement sur cette grille, il y a évidemment plusieurs solutions. On va en explorer juste quelques-unes. Mais on va aller à des choses que tout le monde connaît, que vous connaissez et que vous pouvez facilement employer. Et pour ça, on va utiliser nos fameuses gammes pentatoniques, majeure et mineure. Donc, sur le premier accord, si majeur, basse, demi. Je vous ai dit qu'on avait plutôt tendance à entendre une sonorité plutôt majeure. Si on devait rajouter une tierce, on rajouterait une tierce majeure. Donc là, c'est tout simple. Ce qu'on va jouer, ça va être simplement la gamme majeure pentatonique sur mi. Donc on a ici nos schémas sur le 12 assistant. Vous avez ici donc mi penta majeur. Et si vous regardez le diagramme, vous vous dites « Oh là là, mais je connais cette forme-là, c'est plutôt une forme de penta mineur. » Oui, mais non, puisque c'est toujours la gamme de mi penta majeur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, vous connaissez probablement le concept de relatif mineur. Donc, mi majeur, son relatif mineur, c'est Do dièse mineur. Donc ça veut dire que à partir de Do dièse, on va pouvoir jouer notre gamme mineure pentatonique. Qui sont exactement les mêmes notes que la penta majeure sur Mi. Voilà. Mais qu'on commence, ce sont les mêmes notes, qu'on commence sur le Do dièse, ou alors sur le Mi. Donc ça veut dire que
Je suis dans des positions que je connais, que je maîtrise, hein. Gamme pentaminer mineur à partir de do dièse. Mais gardez quand même toujours à l'esprit que ma fondamentale, ma tonique, c'est le mi, hein. Ok, donc ça veut dire que sur mon accord de si majeur basse de mi, là je vais vous remettre à l'écran la grille. Ça veut dire que sur cet accord, eh bien je vais pouvoir jouer mi majeur pentaminer ou do dièse mineur pentaminer. Voilà, dans cette position. Donc vous voyez que c'est tout simple. Je me casse pas la tête. Je cherche les gammes pentatoniques majeur mineur que je peux jouer sur ces accords-là. Et ensuite, je vais essayer de rester sur les autres. Quand je vais jouer improviser sur les autres accords, je vais essayer de rester dans la même zone de jeu. Donc, si je suis sur cette position de pentaminer, celle que vous avez à l'écran, ça veut dire que je vais essayer pour l'accord suivant de rester dans cette même zone, c'est-à-dire entre les cases numéro 9 et 12. Ok, l'accord suivant, ça va être donc mon La basse de sol. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un accord qui pouvait s'entendre comme un mode lydien, un accord lydien. Le mode lydien, c'est un mode avec une tierce majeure. C'est un mode majeur, tierce majeure avec quarte augmentée. Si je veux aller au plus simple, je peux me dire, eh bien, comme précédemment, je peux jouer la pentaminer majeure sur sol, hein, et ça va passer. Pentaminer majeure sont, on va dire, si vous prenez la cinquième position de cette pentaminer majeure sur sol, vous retombez sur une pentaminer de mi mineur. Ok? Je ne rentre pas dans les détails, si vous voulez checker comme ça avec à la maison avec le 12 assistant, voilà, faites-le. Mais comme précédemment, sol, pentaminer majeur sont les mêmes notes que mi pentaminer mineur. Okay? Donc ça veut dire que eh ben, je peux jouer ma position pentaminer mineur sur mi. Okay? Et donc comme on a dit que précédemment, on va essayer de rester dans les mêmes zones de jeu. Donc si j'étais sur cette zone, eh bien, je vais chercher ma penta de mi mineur dans la même zone. Donc ça va être ici, en fait, je vais jouer la cinquième position de ma gamme de mi pentaminer mineur. Voilà. Comme précédemment, pensez que ici, vous avez toujours le sol comme tonique. Hein, ici. Sur cet accord. L'accord suivant, on a le sol mineur maj 7, maj 9. Voilà. Alors ici, on va pas avoir 36 000 solutions. Ce qui va très très bien passer, c'est de jouer le mode mineur mélodique, donc que vous avez à l'écran, toujours plus ou moins dans la même zone de jeu. Donc là, ici, voilà, on va jouer sol mineur mélodique. Bon, il n'y a pas 36 000 solutions après, il faut pouvoir connaître ces positions de la gamme mineure mélodique. J'avais fait quelques courtes vidéos, quelques shorts que vous pouvez retrouver sur YouTube et puis sur Instagram, justement sur le mode mineur mélodique. Voilà, je vous encourage à aller les regarder. Si vous débutez avec cette gamme, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Rapidement, on peut considérer cette gamme comme une gamme majeure avec une tierce mineure. Soit on peut aussi la considérer comme un mode dorien avec une septième majeure. Ok? Donc si je prends mon mode dorien sur sol, j'ai ça, j'ai sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa et sol.
Le Fa, c'est la septième mineure. Donc ici, je vais monter le Fa d'un demi-ton vers le Fa dièse. Et je vais avoir mon mode mineur mélodique. Si vous voulez vous simplifier encore plus la tâche, vous pouvez considérer un sous-ensemble de ce mode mineur mélodique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une pinta mineure avec une septième majeure. Donc si je prends ma pinta de sol mineur, sol, si bémol, do, ré et fa, je prends le fa, je le monte comme tout à l'heure d'un demi-ton et j'ai fa dièse. Et je peux jouer cette pinta un peu transformée, sol, si bémol, do, ré, fa dièse, sol. Vous pouvez jouer ça. Si, voilà, pour une première approche de cette sonorité, de ce mode, vous pouvez la considérer, considérer comme ça. Donc, sol mineur pinta, vous élevez la septième mineure d'un demi-ton, ça devient une septième majeure. Voilà. Et enfin, pour finir, je retourne sur l'accord de mi majeur. Et mi majeur, bah, je peux encore une fois tout simplement jouer ma pentatonique majeure, voilà, dans cette position. Ok, voilà, donc vous voyez ici que l'idée, c'est premièrement trouver, alors pour construire une grille, déjà trouver des accords qui aient une connexion entre eux, hein, pour créer une cohérence. Ensuite, pour improviser, allez d'abord vers des choses simples. Ok, cherchez pas à trop compliquer dans un premier temps. Allez chercher des gammes pentatoniques que vous connaissez. Et surtout, essayez de rester d'un accord à l'autre dans la même zone de jeu. Ça, c'est très important. Hein, n'allez pas faire ça. Et puis ensuite, je sais pas, jouer le mi mineur pinta ici parce que c'est une position que vous connaissez. Alors évidemment au départ ça va être un peu compliqué si vous jouez toujours un petit peu dans les mêmes zones et sur les mêmes schémas. Donc faites vraiment un travail de repérage, voilà, et le 12 assistant pour ça est très utile. Donc essayez de garder de voir les schémas qui restent dans les mêmes zones de jeu, pour comme ça avoir une improvisation qui sera beaucoup plus fluide. Voilà. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape supérieure sur ce genre de grille, où vous pouvez jouer, voilà, les modes complets. Donc, par exemple, sur si majeur basse demi, on peut considérer qu'on peut jouer le mode lydien, donc on jouerait mi lydien. Sur la basse de sol, comme je disais tout à l'heure, sol lydien. Toujours ici le mode mineur mélodique sur le sol mineur maj 7. Et sur le mi, on peut jouer soit le mode ionien, donc gamme majeure de mi. Voilà. Sans trop rester sur la carte juste, hein. Ou alors sur ce mi, on peut aussi jouer le mode lydien. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir tout ça. Jouer les pintages, jouer les modes, jouer des arpèges également. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Voilà, c'était juste comme ça pour l'exploration de cette grille que j'utilisais, sur laquelle je m'amusais un petit peu, et j'avais trouvé ça sympa de pouvoir vous expliquer quel était un petit peu le cheminement d'esprit pour improviser là-dessus. Si vous voulez, je vous rappelle, si vous voulez vous aussi vous amuser sur ce backing track, vous pouvez le télécharger sur le site moderneguitaronline.com et vous inscrivez aux ressources gratuites. S'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, si vous avez des questions, eh bien je vous encourage à les mettre dans la section commentaires. Partagez la vidéo, abonnez-vous, vous connaissez le processus. Moi, je vous dis à bientôt.